Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo je vais te montrer comment faire pour avoir un abonnement Spotify Premium gratuitement, à vie, légalement la team. Donc juste à angoisser, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord ce que tu vas faire, tu vas avoir besoin d'un compte Spotify qui n'est pas Premium bien sûr. Donc ici j'ai un compte, et ici on va sur découvrir Premium. Ici on peut voir que les abonnements ça coûte assez cher quand même par mois, faut compter facilement une dizaine d'euros et c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un abonnement Spotify. Donc là la méthode que je te présente elle est entièrement légale, tu vas voir qu'à la fin de la vidéo tu pourras avoir un compte très facilement, donc n'hésitez pas à en profiter parce que peut-être que ça va pas durer dans le temps, et bien sûr si vous en profitez tout de suite après vous pourrez avoir l'abonnement gratuitement à vie. Donc je vais te montrer ça, donc c'est une méthode que j'utilise personnellement. Qui marche sans souci. Donc c'est très simple, tu vas aller dans le lien en description. Hop, on va aller sur le lien, tu vas cliquer dessus, tu vas tomber sur un site comme ça. Donc ce que tu vas faire, tu vas venir t'inscrire. Donc aussi je tiens juste à vous dire qu'il vous faudra une carte bancaire ou bien un compte PayPal. Donc si par exemple t'as pas de carte bancaire que tu veux utiliser avec le compte PayPal, tu vas t'inscrire avec le même email que ton adresse PayPal. Voilà. Après, si t'as pas de compte PayPal et que tu as une carte bancaire, bien sûr, on n'utilisera pas d'argent de ta carte bancaire ni de ton compte PayPal, mais c'est le prérequis qu'il te faut pour la vidéo, pour la méthode. Donc tu vas venir te créer un compte, du coup, soit avec ce que je t'ai dit ou pas. Voilà, donc ensuite, dès que ton compte il est créé, normalement, tu vas tomber sur une page comme ici même à l'écran. Voilà, donc en fait, c'est un site, vous allez voir, on va pouvoir avoir un abonnement Spotify avec. Donc en gros, je t'explique vite fait le site. En haut, tu vas avoir des crédits à droite. Donc ces crédits en fait 7 SB ça équivaut à rien du tout quand tu commences. Voilà. Mais quand tu vas valider ton compte etc comme j'ai fait, je sais pas pourquoi ils mettent ça mais le compte a bien été validé, tu vas gagner en fait des SB en plus. Donc la méthode elle va vraiment être très simple, c'est-à-dire que dès que tu vas commencer tu pourras déjà avoir 3 mois gratuits. Donc spécialement parce qu'en ce moment il y a une offre avec Spotify, en temps normal tu n'aurais pas eu le droit à ça. Donc ici on peut avoir 0 € pour 3 mois de premium. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller sur essai gratuit 3 mois. Et ici, on peut voir que déjà on a ça, donc 0 € pour 3 mois. Donc, dans la logique des choses, en fait, après ils te prélèvent voilà, 10 € par mois, etc. Voilà. Donc là, tu vas même pas avoir besoin de payer. Je vais te montrer ça. Donc là, merde. Je vais retourner sur le site. Donc, toi, tu vas commencer avec 7 SB à peu près, comme moi. Donc, ce que tu vas faire déjà, tu vas aller sur bonus du jour. Voilà, tu vas réclamer tes gains, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 1000 SB pour pouvoir retirer. Ici, si on va voir sur Spotify, on a besoin de 10 €, donc 1000 SB. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, tu vas faire une ou deux offres, tu pourras déjà avoir un abonnement Spotify. Je vais te montrer pourquoi. Parce qu'en gros, tu vas aller ici. Ici, tu vois que tu as plusieurs offres. Tu vois ici des offres pour gagner jusqu'à 6350 SB. Donc, ça équivaut à plus de 60 €. Voilà. Donc, en gros, tu vas descendre un peu plus bas. Tu vas dans découvrir nos offres spéciales. Et ici, tu as des offres vraiment qui te rémunèrent, un truc de ouf. Tu vas jouer un jeu une vingtaine de minutes, tu auras ensuite tes gains sur le compte et tu pourras retirer. Je te montrerai ensuite comment faire pour avoir le compte Spotify. Voilà. Donc sinon, ici, tu peux aller dans toutes les offres. Et là, tu peux mettre des offres SB Max. Comme ça, au moins, ça te montre les offres qui te payent le plus. Ah, donc tu fais ça, tu fais un petit peu d'offres. C'est des offres, par exemple, tu installes une application, tu joues un jeu pendant une vingtaine de minutes, tu reçois des gains, tu installes une appli, tu t'inscris sur un site, voilà. Et ensuite, dès que c'est fait, au bout d'un certain moment, tu vas recevoir tes gains en SB. Voilà. Donc là maintenant, c'est là que la méthode commence. Aussi, bien sûr, si tu n'as pas de carte bancaire ou PayPal, tu vas aussi pouvoir le faire. Mais c'était mieux en fait de faire avec PayPal et je vais t'expliquer pourquoi après. Donc en soi, bah après, sinon tu te prends une carte Spotify avec les 1000 SB que tu as gagné. Voilà. Ensuite, ils vont t'envoyer ça. Donc, tu iras sur ton profil Spotify, profil. Préférence, je me trompe, compte, tu vas aller dans gérer votre abonnement et là ensuite bah, tu pourras mettre un code, donc dans activer un code ici, et là bah, tu mets le code et tu auras un mois de premium. Mais en soi c'est une bonne méthode, c'est la méthode que j'utilisais avant, mais le souci bah, c'est qu'il fallait faire ça tous les mois, après faire des offres et puis après, mais bon, vu les gains, c'est assez rapide à gagner. Après, tu pouvais te faire facilement plus d'un an de premium très très rapidement. Avec ceci, tu vas pouvoir gagner plus d'une centaine d'euros très facilement, donc ce qui équivaut facilement à un an. Donc là, la nouvelle méthode aussi, ça c'est l'ancienne, elle marche toujours, mais l'autre qui est encore plus optimale. En fait,
tu vas aussi faire tes gains, tu vois, tu vas faire tes gains sur le site. Et au lieu de retirer ça en Spotify, étant donné qu'il y a une offre en ce moment, tu vas retirer ça en PayPal. Et ensuite, avec le PayPal, ce que tu pourras faire, tu pourras te prendre ici. Donc là, si je vais sur Découvrir Premium, avec le PayPal, en fait, je pourrais aller dans Essai gratuit 3 mois et payer, en fait. Mais je vais payer 0€. En fait, juste tant que mon compte il est positif. Et voilà. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'après les 3 mois, j'aurai même pas besoin de résilier. Donc 4 mois déjà. Parce que bah, avec l'argent que j'ai gagné grâce au site, vous voyez, je pourrais encore avoir un mois gratuit. Ainsi de suite. Donc après, bah, soit tu continues sur le site. Après la méthode, je suis pas sûr que tu peux la répéter plein de fois. Parce que ici, c'est marqué en tout petit. Découvrir Premium. C'est bien marqué. Annuler à tout moment. Donc ça, voilà. Et c'est marqué vraiment réservé aux utilisateurs qui n'ont jamais testé Premium. Donc en soi, dans la logique des choses, tu pourras plus après. Donc après, bah ça, tu peux aussi trouver une autre méthode hein, en mettant un VPN ou quelque chose. Ou même faire ça sur, chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, tu te connectes au compte et ça marchera sans souci. Juste vraiment le prérequis à faire, vraiment ce qui est. C'est juste aller sur le site, faire tes points. Et dès que par exemple que tu as 1000 points, que tu retires ça du coup en Spotify ou en PayPal. Voilà, et puis après, bah, tu pourras payer sur Spotify et avoir tes 4 mois gratuits, voire plus, tout dépend de si tu as envie ou pas. Voilà, donc aussi, il y a une autre astuce, hein, si tu n'as pas PayPal, et que si tu as envie d'avoir 4 mois gratuits, ce que tu vas faire, après, je sais plus s'ils le font, des fois, ils font en fait des cartes bancaires virtuelles. Donc là, bah, là c'est pareil, tu prends une carte virtuelle de 10€, voilà. Et après bah, tu pourras payer ton abonnement juste pour un mois en fait. Parce que le but c'est juste en fait Spotify ils vont vérifier si sur votre compte bah, vous avez de l'argent pour pouvoir vous prélever après. Et si c'est bon, si votre compte il est positif de 10€ à peu près, et ben après vous pourrez, ça va vous prélever, ça va pas vous prélever mais vous aurez vos mois premium offerts. Voilà. Donc c'est une petite méthode. Donc après bien sûr là ici tu vas sur choisir région, France, PayPal. Et ici tu vois que c'est bien marqué que tu as 3 mois gratuits dès aujourd'hui. Qu'à partir du 13 mars là, au moment où je tourne la vidéo, donc dans 3 mois, et eh ben ça me prélèvera 10,99 par mois. Sauf que ces 10,99, comme j'ai dit, on les a déjà grâce au site qu'on a gagné. Et après, bah ainsi de suite, soit comme j'ai dit, on essaye de refaire des gains sur le site. C'est totalement à vous de voir. Donc, voilà, donc c'est une petite méthode qui est assez bien. Donc ça marche aussi sur d'autres sites. Je ferai peut-être des vidéos aussi pour vous expliquer un peu sur les autres sites. Mais ça marche aussi pour Netflix, Prime Video, tous les abonnements payants. Pardon. Après, le mieux c'est de prendre, comme j'ai dit, des offres où par exemple vous avez 3 mois gratuits au début. Comme ça, bah, ça peut vous éviter de faire ça tous les mois. Mais honnêtement, le temps que vous passez sur le site pour gagner les gains, c'est vraiment très peu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, peace l'équipe.